Good morgen, allez, d'un étude sur aujourd'hui le Nishmat Mahlouf, Mira Ben Masouda Nachman, Yosef Ben Nachum, Abraham, Raynor, Ben Fortuna, Mazal, Dov, Ben Yudit, et Nissan, Ben Mafret. Si vous souhaitez vous aider une prochaine étude de Mishnah, contactez la Sacrée Éternelle. Nous étudions Maserhet Tamid, Perek Dalet Mishnah Bet, Lo Haya Shover et Bo et Aregel, et la Nokvo, Mitoch, Avrkuvo, Vetolebo. Aya Mavshit Veyored, Ad Shehu Magi Alechazé, Igi Alechazé, Chatach et Arosh, Untano, le Mishé Zachabo. חתך את הקרעים ונתנן למי שזכה בהן, מרק את ההפשט, קרע את הלב והוציא את דמו, חתך את הידיים ונתנן למי שזכה בהן, עלה לרגל הימנית, חתך ונתנן למי שזכה בה, ושתבצים עמה, קרעו ונמצא כולו גלוי לפניו, נטל את הפדר ונתנו להלבד שחיטת הראש מלמעלן, נטל את הקרביים ונתנה למי שזכה בהן להדיחן, והכרס מדיחין אותה בבית המדיחין כל צורכה. והקרביים מדיחין אותה שלושה פעמים במיעוטה, על שולחנות של שאיש שבין העמודים. Une משנה très simple pour celui qui a déjà disséqué des animaux. En l'occurrence, pour moi, ça va être très difficile. Je vais vous traduire, je vais vous expliquer plus ou moins le principe. On a fini la shrita du korban tamid depuis la mishnah précédente. On a fait la shrita, vous rappelez, on l'avait bien bloqué, on avait fait la shrita. Maintenant, il va falloir faire monter tous les membres selon un rituel qu'on avait déjà appris dans le Perek Vet, il me semble. On apprenait là-bas comment il y avait plein de kohanim qui venaient, chacun il prenait une part conséquente. Ils montaient tous à la chaîne comme ça avec les membres. Entre parenthèses, les membres, il fallait aller les laver comme ce qu'on va évoquer dans la mishnah. Aller les laver, comme ça ils sont bien propres, on les met dans un, je crois, dans un plateau, ouais, dans le Mégis, ça s'appelait, et on va les faire monter sur le Misbéach. Maintenant, la Mishnah nous apprendre comment il faut disséquer l'animal. Comment, en fait, donc le Kohen, il va l'attraper. Il va prendre l'animal, il va l'accrocher par les pieds. Apparemment, il y a une marloquette, j'ai pas assez compris, en fait, est-ce qu'il y a une marloquette ou pas une marloquette. Dans le Tosot Yom Tov, il rapporte le Mefaresh et le... Le Mefaresh, quand on dit le Mefaresh, c'est dans le Sechet Tamid. Il n'y a pas Arashi et Tosot, il y a le Mefaresh. Et il y a le Rambam et le Mefaresh. Et il rapporte au Mefaresh qu'on accrochait les deux pieds. Si vous avez déjà vu comment on disséquait un animal à l'époque, comment on dépeçait l'animal, ben vous allez comprendre ce qu'elle nous dit la Mishnah, sinon vous n'allez pas tellement comprendre. Personnellement, je traduis. Le Hayashover, Bo et Aregel, et la Nokvo, Mitoch, Arkuvo, Vetolebo. Il ne cassait pas le pied. Il ne lui cassait pas le pied, mais il lui faisait un trou dans la harkouva, dans le talon, les tolebo. En fait, donc, ils expliquent qu'on faisait ça dans les deux pieds. D'après ce que j'ai compris, c'est qu'il y avait, en général, un boucher, quand il voulait dépecer l'animal, il l'accrochait par le pied, mais il lui faisait là-bas un trou dans l'os, apparemment, dans la chair. En l'occurrence, pour le korban tamid, on va avoir besoin d'apporter même le pied, il va falloir monter sur le misbar, donc on ne va pas lui faire un trou dedans. Mais du coup, on l'accrochait par les talons, apparemment par la peau des talons, plus ou moins. Et donc on l'accrochait par derrière, d'accord? Attention, maintenant j'ai accroché l'animal devant moi, par les pieds, il a sa tête retournée face à moi, il a donc ses deux pieds qui viennent vers moi, et son ventre. Le principe il est très simple, je vais lui ouvrir le ventre, je vais commencer à décoller la peau, et je vais faire sortir les membres petit à petit, de manière à ce que je vais pouvoir approcher, je vais le faire par couche. En réalité, ce qu'on va voir tout de suite, c'est qu'on va commencer par travailler sur les pieds, pour le plus vite possible finir d'enlever tous les pieds, depuis l'épaule ou bien le bassin, jusqu'au bout du pied, ça va se passer en deux fois, d'abord les kraïm, puis ensuite le reste du pied, ou de la patte, et puis après, une fois qu'on va se retrouver maintenant avec tout le ventre vide, on va pouvoir maintenant enlever complètement la peau, et puis commencer à récupérer les membres un à un, ça va être l'objet de la Mishnah Bet, et la Mishnah Gimel qui va continuer encore plus compliqué. Pour moi, personnellement, si j'avais un... C'est simple, si on avait quelqu'un qui voudrait prendre un mouton et le faire, on comprendrait en 30 secondes. Mais si on n'a jamais vu comment ça se passe, donc c'est un peu plus compliqué. En tout cas, je continue la Mishnah. On a dit donc qu'il lui casse pas le pied, mais plutôt qu'il lui fait des trous dans la harkouva. La harkouva donc dans le talon. Apparemment dans les deux, comme ça ils expliquent que tu fais Israël et le Mefaresh. Hayam afshit veyored. Et il commence maintenant à dépecer, à décoller la peau. Ad Shehu Magia Lechazé, jusqu'à qu'il arrive au torse. Donc le torse est le plus bas, puisque on a les pieds arrière à l'envers, et puis la tête en bas, on a dit. Donc il le fait jusqu'à qu'il arrive jusqu'au torse. Une fois qu'il arrive au torse, il fait une petite pause. Igia Lechazé, Khatach et Arosh ou Netano le Mishezachabo. Dès qu'il arrive au Chazé, il arrive donc au torse,
Il arrête le dépeçage pour le moment et il va finir la shrita. Quand on a fait la shrita, on l'a pas décapité. Quand on fait la shrita, on a juste coupé les deux simanim de la trache artère, de l'œsophage, on les a coupés. Et puis maintenant, là, il va complètement finir de retirer la tête. Il va prendre la tête, il va la donner à celui qui a eu le droit de monter, de faire monter la tête. C'est le premier membre qui va monter. Pendant ce temps, celui qui a reçu la tête, il va partir la laver. Comme ce qu'on va expliquer tout au long, tous les membres, il fallait qu'ils soient propres pour monter, c'est normal. Il faut donner du Kavod Hashem. La tête est la seule que l'on ne dépèse pas. On la fait monter avec. Sans lui, sans, on ne fait pas monter que la viande de la tête, mais toute la tête telle qu'elle, en l'état, à la différence des autres membres. Pourquoi a-t-il fallu s'arrêter tout de suite au torse et ne pas continuer? Il explique au Tiferet d'Israël que si tu continues à dépecer tout jusqu'à la tête, alors d'un coup, apparemment, la peau du cou, elle est plus reliée à du muscle. Donc du coup, dès qu'on arrive à la fin, d'un coup, toute la peau, elle risque de tomber, nous empêcher de couper la tête. Donc il dépeçait presque jusqu'au bout, il s'arrêtait, puis après il enlevait la tête. Pourquoi dans ce cas-là ne pas couper la tête depuis le début, puisque la tête on ne la dépece pas? Parce que dans le passage qui a marqué, Veifshit Venitar. D'abord il dépece, après il est menatéach, l'enatéach comme un chirurgien. Et il va disséquer l'animal. D'accord? Donc maintenant il s'est arrêté jusqu'à la tête. Et après il a coupé, il a donné à celui qui a gagné le droit qui a été tiré au sort pour pouvoir faire monter la tête. Et il allait donc la laver. Aussi que je l'ai lu qu'il allait la laver, je ne le retrouve plus pour le moment. Mais faites-moi confiance que je l'ai lu. C'est pas grave, je continue mon cours. Khatar ensuite. Donc maintenant, ça y est, l'animal il est quasiment dépecé jusqu'au torse. Et la tête, on l'a retirée. Maintenant, on va commencer à s'occuper des pieds en deux étapes. D'abord, Khatar et Akra'aim. Il va couper les pattes. Les pattes, c'est jusqu'au genou, jusqu'au Berech. Il explique. Cette fois-ci, c'est le Tiferet Israël qui l'a bien expliqué. Et le Mefarech aussi. Les pieds, il les coupe, les quatre. On est allé les mis chez Zachaben et il les transmet à ceux qui ont eu le droit d'aller les apporter. Il va pas les apporter tout de suite. Pour le moment, il va lui aussi le laver, mais il va attendre son tour. Selon un ordre, ensuite, il y aura un ordre comment faire monter le Korban Tamid, comme ce qu'on avait évoqué dans le Perek Bet, je vous avais dit. Il me semble que c'était bête. Quand on avait fait le tirage au sort, on avait dit celui qui allait recevoir ça, et cela, et cela, et cela, et cela. Et la Mishnah lui faisait l'ordre des membres qu'on allait faire monter. Ensuite, ça y est, il a commencé à couper les pieds. Il ne peut plus approcher l'animal maintenant. Eh bien, Merek et Hefchet, il continue totalement le Hefchet. Il continue complètement à décoller la peau. Pour le moment, il ne va pas encore retirer la peau parce qu'il a les pieds qui le dérangent. Et donc, logiquement, il devrait y avoir maintenant qu'il va finir de couper les pieds depuis les épaules et le bassin. C'est ce qu'il devrait y avoir. Il y a un grand problème dans cette Mishnah, c'est que là, Merek et Hefchet, il continue le Hefchet. Kara et Alev et Veotzi et Damo. La Mishnah nous dit, il va maintenant déchirer le cœur et faire sortir le sang. Ça, c'est pas tellement compréhensible. Tout le monde pose la question. Il y a le rachash, en réalité, c'est le roche déjà sur le pirouche, qui nous dit qu'en fait, cette Mishnah-là, ce petit morceau-là, il s'est incrusté ici, mais il était ailleurs. Le Tiferet Israël, il propose quelque chose de très original, mais on va pas trop arranger dessus, c'est trop compliqué pour moi. Donc, le roche, il nous dit, tu sais, le lève, tu vas le sortir après, en réalité, c'est pas maintenant. En tout cas, quoi qu'il arrive, le lève, de manière générale, même quand on veut manger, celui qui veut manger du cœur, c'est pas très bien de manger du cœur spécialement. En tout cas, c'est permis. Et il faut d'abord faire sortir le sang qui est dedans. Ensuite, Khatach et Hayadaim. Donc maintenant, on reprend on continue à disséquer le mouton. On lui a coupé les bouts des pattes, on lui a coupé la tête, on a ouvert le ventre, on a décollé toute la peau, on a coupé la tête, on a coupé les pattes. Maintenant, on va s'occuper à retirer complètement maintenant, à retirer complètement les pattes, mais depuis l'endroit où elles sont attachées au corps, donc depuis les épaules et le bassin. Alors comment on va faire ça? Dans quel ordre? Khatachetayedem, d'abord on va couper les mains. Les mains, ça veut dire celles de devant, les pattes de devant, depuis les épaules. Onetanan, et il les donne à celui qui a été tiré au sort pour prendre les deux mains en même temps. Ensuite, il continue avec les pattes. C'est pas le moment pour le moment de toucher les parties internes, parce que pour le moment, il a les pattes qui lui tombent devant, vous imaginez. Bon, même si elles sont rattachées par les pattes, mais en tout cas, on n'approche pas très bien.
Il y a en plus de ça même les testicules qui retombent pour le moment. Donc il va falloir s'en occuper. Et c'est ce qu'il va faire. Alal régale à Yamanit. Il monte maintenant vers le pied droit. Et Khatacha il va retirer le pied droit. Il le donne à celui qui les a reçus. Et en même temps, il enlève aussi les testicules. Mima, les Beitzim, c'est les testicules. Et maintenant, alors apparemment, j'ai un problème avec le pied gauche. Je ne sais pas où est-ce qu'il est passé celui-là. Mais pour le moment, bon, soit il est parti que j'ai manqué une étape, peut-être parce que ça partait avec la tête en même temps, ou je sais pas. Grao. Ensuite, ça y est, en tout cas, on a un animal qui a presque plus de pattes ou plus du tout de pattes. On a juste maintenant toutes les entrailles, tout ce qui est là devant nous. Il va falloir maintenant le disséquer proprement, méthodiquement. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Premièrement, Grao. Ça y est, on a fini d'enlever les pattes. Il va complètement maintenant le déchirer, le faire tomber complètement de la peau. Et maintenant, il a un gros morceau de chair devant lui. Et alors, Venimtsa Kulo Galui le Fanav, et maintenant, ça y est, il est face à lui. J'aurais même voulu travailler avec des images, mais je suis un peu très sensible dès que je vois des images de membres un peu internes. J'aurais pu vous apporter ça. Et dans les Gemarot, c'est fréquent, dans les Gemarot de Khoulin, on voit beaucoup la dissection des animaux. Le dissèquement, je ne sais plus comment on dit. On voit beaucoup des animaux, en tout cas, comment. Il y a beaucoup de nos jours, il y a beaucoup de livres très très bien faits, oui. On voit franchement bien les. Chaque chose, il n'y a pas de livre sur Tamid, mais il y a un livre sur Khoulin. La Mishnah continue en disant maintenant. Donc on a tous les membres internes devant nous, on a fini de retirer toute la peau, on a tout ce gros morceau de viande. L'animal, il est toujours rattaché par la peau des pieds. C'est un problème d'ailleurs, je ne sais pas comment. Concrètement, il y a plein de détails qui me manquent en fait pour comprendre comment ça scène. Apparemment, peut-être que le pied il reste rattaché, donc c'est ce qui rattache tout le corps. Ça me manque encore un peu d'illustration dans l'histoire. Mais c'est pas grave, on continue à avancer. Natal est à Péder, il retire maintenant les graisses. La première chose qu'il rencontre, c'est les graisses qui est du bas du ventre. Il y a toutes sortes de graisses, et des graisses qu'il faut apporter indépendamment. Donc Natal est à Péder, il va prendre les graisses. Péder, c'est les graisses. Unetano albet shritat arosh milemalan. Il va les poser sur la tête, là où elle a été égorgée, c'est-à-dire pour que la tête elle monte de manière proprement et joliment. Eh bien, en fait, on lui faisait un joli petit collier avec toutes les graisses autour. Comme ça, on voyait pas la bête à shrita, on voyait pas l'endroit où l'animal elle a été égorgé. Natal et akravaim. Ensuite, il va sortir les intestins. Ouais, les kravaim, c'est les intestins. Unetanan, les mishezacha bahen, les hadichan. Et il va les donner à celui qui a été désigné pour qu'il aille d'abord les laver. Il fallait qu'il les lave bien les kravaim, les intestins. Normal, il y a plein d'impuretés, de saletés à l'intérieur, il faut les laver. Et le pire que ça, c'est vers Keres. Ensuite, il va retirer le Keres cette fois-ci. Le Keres, c'est la panse. Et là, c'est plein de saletés à l'intérieur. Cette fois-ci, Madichinotab et Bet Amedichin. Il va aller falloir les laver dans un Bet Amedichin, qui est une lishka qui se trouvait. Elle n'est pas écrite ici, j'imagine qu'elle est à peu près là. Je ne sais pas où elle est exactement, la Bet Amedichin, elle est bas d'Arôme. C'est une lishka, c'est une petite cabine, où là-bas, on s'occupait de le laver. On ne le lavait pas dans cette partie-là de la Zara, parce que c'était vraiment très salissant. Là, l'estomac, le kérès, la panse. Il fallait la laver là-bas, lui faire un lavage bien plus profond. Kol Tzorka, tout ce qu'il faut. En général, tu peux les laver 3 fois, ça suffit. Là, pour la panse, tu mets tout ce qu'il faut pour qu'elle soit bien propre. Vakravaim, et on revient sur les kravaim qu'on a évoqués précédemment les intestins. Madichinotan shlosha peamim bemiuta. Il fallait les laver au minimum 3 fois, mais où tu le fais? Al shulchanot, shel shaish, shel ben amudim, sur les tables en marbre. Qui était Ben Hamoudim, qui était entre les Nanassim, c'était ici, il y avait des tables en marbre. On avait évoqué déjà depuis je reste dans le Perek Rishon, il nous renvoie qu'il y avait une machloket sur Perek Gimel Mishnahé. On avait vu qu'il y avait en fait une machloket. Est-ce qu'on parle de ces tables qui sont là, ou est-ce que c'est des autres tables qui étaient là-bas? En tout cas, on va prendre le pshat que c'était ces tables-là. Et elles étaient en marbre pour que la viande ne pourrisse pas, que tout reste bien froid, bien frais. Donc on avait des tables en marbre. Et on a fini cette première partie du Korban Tamid, comment il fallait le disséquer. La suite, c'est la prochaine Mishnah, elle sera très longue de nouveau, et on va continuer un petit peu, ce sera le sujet. On essaiera de faire ça vite, et voilà quoi. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une pleine d'Hatzlacha Kol Tov, salam.